Quelle paire de chaussures faut-il avoir dans sa garde-robe en automne? Et ce, aussi bien les chaussures plates que les chaussures à talons. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale chaussures. Et j'ai choisi de traiter les chaussures en automne puisqu'il y a différentes températures. Et comme il ne fait pas encore 0 degré tous les jours, on peut se permettre d'avoir quelques chaussures ouvertes. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. On commence avec les chaussures plates. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander si c'était possible d'être élégante avec des chaussures plates. Certaines femmes ne peuvent pas porter de chaussures à talons parce que c'est douloureux, c'est notamment le cas des anus valgus. C'est pourquoi je me suis fait opérer il y a maintenant quelques mois. D'ailleurs c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, mais il y a aussi des femmes qui ne peuvent pas porter de talons. Soit parce qu'elles doivent beaucoup marcher, que ce n'est pas adapté à leur activité, ou alors elles sont grandes et elles ne sont pas très à l'aise pour porter des chaussures à talons. Aucun problème, on peut tout à fait être élégante avec des chaussures plates. Et heureusement, je vais tout de suite vous montrer plusieurs types de chaussures plates que vous pouvez prendre en automne, mais aussi au printemps. Ne vous dites pas que vous allez acheter une paire de chaussures pour la garder que 3 mois, pas du tout. Le premier type de chaussures, ce sont les mocassins. C'est très connu, c'est revenu à la mode il y a maintenant 2-3 ans. Le seul problème, c'est que les mocassins à la mode sont les gros mocassins avec des semelles track. Et en élégance, on évite les plateformes, on juge que c'est bien plus distingué d'avoir le pied qui touche le sol. Les semelles track, c'est pratique quand on est à la campagne, quand il y a de la boue, quand il y a de la pluie. Mais quand notre quotidien est de marcher sur du bitume, c'est inutile d'avoir des semelles track. J'ai une paire de mocassins. Ce sont celles-ci. Ce sont des Tod's, donc pour moi l'une des meilleures marques de mocassins. D'ailleurs, ils sont connus pour leurs mocassins. Je les aime beaucoup, ils sont tout en cuir. Donc ils sont noirs avec un cuir lisse. Ici, il y a une boucle dorée. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont discrets et à la fois très élégants, très sophistiqués. Contrairement à certains mocassins que l'on pourrait voir, hein, même dans les plus grandes boutiques de luxe et même surtout dans les boutiques de luxe, avec des gros logos, la marque marquée en gros. Je les porte souvent avec un pantalon palazzo, vous avez peut-être vu dans mes stories Instagram. Il m'arrive aussi parfois de les porter avec des petites jupes courtes, c'est-à-dire des jupes qui arrivent au-dessus du genou. Je trouve ça très mignon, notamment avec ma robe lila en tweed, que je vous avais déjà montré, que je porte souvent d'ailleurs. Ça a un côté old money preppy, hein, le style qui est très à la mode en ce moment. Elles auraient besoin d'un bon nettoyage, d'un bon coup de cirage. J'ai marché aux Tuileries avec, et donc elles sont toutes sales, mais je vais m'en occuper juste après. Voici en ce qui concerne les mocassins. Il y a plusieurs marques, évidemment. Soit vous avez un bon budget et vous allez chez Tod's, chez Carmina, chez Crockett & Jones ou encore chez Weston. Soit vous avez un plus petit budget et vous pouvez vous trouver quand même de jolis mocassins chez Minelli, chez André, si ça existe encore, chez Jonac. Et même si vous avez un encore plus petit budget, je suis sûre que chez Chaussea Gémeaux, il y a ce type de chaussures. C'est juste que ce sera beaucoup moins durable. C'est sûr que quand je vais chez Tod's m'acheter une paire de mocassins, je sais que je les garderai minimum 10 ans. Voilà, c'est bien connu, mais la meilleure économie que l'on puisse faire est de s'acheter des chaussures chères de très bonne qualité chez des vrais chausseurs, de les entretenir. Et c'est durable et au final, ça nous revient beaucoup moins cher que d'en acheter des nouvelles tous les ans. Le deuxième type de chaussures à plat, ce sont les mules. Pareil, c'est très à la mode, donc on n'est pas ridicule à porter des chaussures comme ça. Celles-ci sont pointues, mais il en existe avec des bourrons. Voilà, à choisir en fonction de nos préférences. Et là, c'est la preuve parfaite que l'on peut être élégante à petit budget, puisque celles-ci, je les ai payées 7 € en Thaïlande. Si ce type de chaussures vous intéresse, je suis persuadée que vous pouvez en trouver dans les magasins chinois, vous savez, où ils revendent des produits un peu en plastique et tout, ou encore sur internet, sur AliExpress, etc. Puisque ce que j'ai acheté en Thaïlande, finalement, c'est les fournisseurs quasiment de ce qu'on peut trouver sur ces sites-là ou dans ces magasins-là. Elles ne sont pas de bonne qualité du tout, hein, je les ai mises 2 fois. Et ici, ça commence à se décoller. Je m'y attendais. Néanmoins, elles sont très jolies. Je les porte avec une petite robe. J'aime bien les porter soit avec une robe très longue, ample, soit avec une robe courte. Hein, la dernière fois, je les ai portées avec une robe blazer, vous avez dû voir sur Instagram. Je les aime beaucoup, c'est très confortable, facile à enfiler. Vous savez, parfois, on a envie de sortir, on a une balade, et c'est vrai qu'on peut avoir la flemme d'attacher ses sandales. Donc on va mettre la première paire de chaussures où notre pied glisse parfaitement. Et ça, c'est un très bon compromis pour les chaussures de la flemme qui sont très élégantes et donc dès qu'on les porte, c'est finalement très classe. Je les ai prises en gris perlé, j'aime beaucoup. Après voilà, vous pouvez prendre les couleurs qui vous intéressent, mais la mule est une bonne alternative. Troisième chaussure plate, les ballerines. Bon alors encore une fois, moi je suis très ballerine Chanel, j'ai 2 paires de ballerines et les 2 sont des Chanel, donc elles sont là. J'ai les classiques beige avec le bout noir. Celles-ci, je peux les porter quasiment avec tout. Et je les ai en cognac matelassé parce que je voulais des ballerines matelassées.
et je les aime beaucoup également. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur TikTok au sujet des ballerines, comment bien choisir des ballerines. Pour celles qui ne l'ont pas vu, en fait il faut qu'une ballerine déjà fasse un joli pied, un long pied. Ça c'est très important parce qu'on trouve beaucoup de ballerines qui font un pied tout aplati. Donc c'est pas joli. Moi quand je porte ma ballerine, j'ai vraiment le pied allongé. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas voir la naissance des orteils. Je vais tout de suite enfiler ma ballerine pour vous montrer. Et on va faire des acrobaties. Oh non, mais on est où là? Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, le pied est très allongé. Donc voilà, il n'est pas du tout aplati, loin de là. Et on ne voit pas la naissance des orteils ici. Faut que je rattache mon chignon parce que il part dans tous les sens. La troisième chose, c'est de choisir du vrai cuir. Je sais que ça coûte plus cher, je sais qu'il y en a qui sont très cuir vegan. Le vrai cuir, c'est ce qui vous fera sentir le moins des pieds. Les ballerines Chanel sont en cuir de veau, en plus d'une qualité de cuir exceptionnelle, et ça ne sent pas du tout mauvais des pieds. Je ne transpire pas plus que dans des vraies bottes en cuir. Voici en ce qui concerne les ballerines. Elles sont très mignonnes à porter avec un pantalon palazzo, avec un 7/8e, une petite robe. Finalement, j'arrive à les porter avec beaucoup de tenues, je suis très contente de les avoir. Je trouve ça très élégant, à condition encore une fois de choisir de belles chaussures. Mais ça, c'est comme tout type de chaussures. On a tendance à diaboliser la ballerine, mais quand vous allez vous acheter une paire de bottines sur AliExpress, donc qui sera revendue, je sais pas, chez Chaussea ou je ne sais quelle marque, ben je suis désolée, mais ce n'est pas une belle coupe. Voilà, et ben les ballerines, c'est pareil. C'est pareil pour absolument tout type de chaussures. Je suis consciente que les ballerines Chanel, c'est très cher. Si vous voulez avoir de jolies ballerines moins chères, il y a notamment les Repetto qui sont très jolies. Ou encore les Sol French. Je crois que c'est ça, Sol, S-O-L-E, et French comme français. Les Repetto, je crois qu'elles sont autour de 250€ et les Sol French sont autour de 100€. Ce qui est bien avec les ballerines, c'est que vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Ça peut réveiller une tenue, une petite robe blanche, et c'est la touche en plus. Ensuite, en chaussures plates, il y a les Chelsea. Donc les Chelsea, ce sont des bottines, hein. Alors celles-ci, on les avait pendant des années avec l'élastique. Je les ai depuis ma première année d'études, donc ça fait 7 ans. Je les ai tellement portées qu'aujourd'hui, je n'aime plus trop les Chelsea. Mais en tout cas, ça reste élégant. Ce sont des chaussures simples que l'on peut porter avec un pantalon près du corps. C'est très confortable, c'est des bottines et ça peut faire le job dans beaucoup de cas. Et les dernières paires de chaussures plates, ce sont les baskets. J'ai deux paires de baskets. La première, ce sont des New Balance avec un côté sport. Alors là, elles sont sales, je suis allée en Thaïlande avec. J'ai commandé du savon spécial pour les nettoyer parce que j'ai pas envie de les abîmer. Il n'est pas encore arrivé, donc c'est en cours. Ne faites pas attention à ça. Mais je les aime beaucoup. Elles sont beige comme ça. Je vous donne la référence parce que sur Instagram, vous m'avez envoyé tellement de messages à ce sujet. Ce sont les 997H. Voici pour les New Balance. Je les aime beaucoup. Elles ont un petit côté sport. Très pratique pour se balader. La deuxième paire qui est bien plus élégante, ce sont des Super Dry. Donc c'est un cuir vegan, hein, puisque l'on voit en dessous, c'est marqué en gros. Elles sont blanches et elles sont perforées. Voilà, je les trouve très élégante. En fait, ce que j'aime, c'est que sur le bas, vous voyez, il y a du bleu marine. Et comme en plus, quand je porte des baskets, j'ai souvent un pantalon bleu marine, c'est juste parfait, quoi. On entend parfois que ce n'est pas élégant de porter des baskets. C'est vrai, hein, les baskets, ça a un but sportif. Mais si vous avez une vie comme moi, où vous marchez beaucoup, je sais que j'arpente souvent les rues de Paris parce que j'ai des rendez-vous à droite, à gauche. Et dans ces moments-là, je porte des baskets parce que c'est bien plus confortable que des mocassins ou des ballerines. Attention toutefois, ce n'est pas élégant de porter des baskets à une soirée, quand on travaille dans un siège, quand on va au restaurant, voilà, toutes ces choses-là. Les baskets restent tolérables quand on marche beaucoup et que c'est vraiment utile. Quand on sort et qu'on va travailler, on peut faire un petit effort. Sauf si on est femme de ménage ou qu'on travaille avec des enfants en bas âge et donc qu'il faut beaucoup bouger. Voilà ce qui est des chaussures plates. Maintenant, on va passer aux chaussures à talons. La première chose, ce sont les bottines à talons. Celles-ci sont assez basses. J'aime beaucoup les bottines qui s'arrêtent mi-mollet, comme ça se faisait beaucoup l'année dernière. Je trouve ça très élégant, très moderne, j'adore. Mais celles-ci aussi, je les aime beaucoup. Elles sont basses, noires, avec un talon en bois, comme ça. Ce sont des rives courts. L'année dernière, je les ai beaucoup portées. Je pense que je vais encore beaucoup les porter cette année. J'ai fait exprès de prendre des petits talons pour pouvoir marcher aisément. Voilà, je vais vous parler des baskets, mais par exemple, quand je suis habillée en robe, je ne vais pas porter des baskets. Donc je porte ce type de chaussures. C'est un basique, mais c'est très bien. Aussi, je vous conseille de choisir de jolies bottines. On voit beaucoup des bottines un peu cheap que l'on trouve chez Chaussea, vous savez, avec du velours
Ou alors le simili-cuir ou le gros zip avec les petits décors, toutes ces choses-là. On peut trouver des chaussures sympas, pas très chères. Mais voilà, il faut faire attention à ces détails qui font très cheap. Choisissez toujours des chaussures simples avec des coupes qui allongent votre pied, qui vous fait un joli pied, pas un gros pied, et qui a un joli rendu. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les bottes à talons. Alors, je suis une grande fan de bottes. Vous le savez, je porte beaucoup de robes, beaucoup de jupes, bien plus que des pantalons d'ailleurs. Et en automne et en hiver, je porte ce genre de bottes à talons. Alors j'en ai plusieurs, hein. J'ai des blanches, des noires, des marrons. Mais je vous présente celles-ci puisqu'elles sont parfaites pour l'automne. Ce sont des Bordeaux. Alors celles-ci, j'en ai rêvé très longtemps. Hein. C'était Cézanne hein, qui en faisait des comme ça. Mais celles-ci, je les ai trouvées sur Vinted à 40 €. Et c'était des Zara. Et sincèrement, c'est ma troisième paire de bottes Zara. Et elles sont tellement confortables, j'adore. C'est des chaussures très confortables, les bottes Zara, d'après moi, pour en avoir trois. Donc si vous ne voulez pas mettre trop cher dans des bottes, je vous conseille les Zara. En plus, la couleur bordeaux, comme ça, c'est parfait pour l'automne, ça revient. Et ça revient encore cette année, donc c'est parfait. Je prends un talon qui fait en moyenne 8 à 9 cm, et elles sont assez simples, hein. Vous voyez, il y a un pied simple. C'est pareil, je trouve que c'est pas une mince affaire de trouver des jolies bottes. On trouve toujours tout plein de détails, pas très distingués. C'est pas facile de trouver des jolies chaussures. Après, j'ai bien mieux, beaucoup mieux, mais c'est un autre budget. Là je vais les emmener chez le cordonnier pour les faire ressembler. Ce sont des bottes freelance, donc attendez, je vous en prends qu'une pour vous montrer. Donc elles sont comme ça et c'est pas du tout la même qualité hein, ce n'est pas du tout les mêmes finitions, mais je les aime beaucoup et c'est sans aucun doute les bottes les plus confortables. Vous êtes comme dans des chaussons dedans. C'est très durable. Voilà, donc si vous avez un budget qui vous permet de pouvoir vous acheter de belles bottes freelance, n'hésitez pas, c'est de très très bonne qualité, très confortable. Le seul bémol, c'est que ça a un petit côté rock. Voilà, les coupes ne sont pas avec un pied rond, non, ça fait toujours un petit peu Santiago, très typé. Moi j'aime bien, je pourrais pas les porter tous les jours, je les aime bien avec plusieurs tenues, mais voilà, je suis contente d'avoir ma paire. Autre chose, ce sont les slingbacks. Alors je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Celle-ci, je les porte. Alors, c'est clairement les chaussures que je peux porter 2 à 3 fois par semaine. C'est de Chanel. Hein. Karl Lagerfeld a revisité cette chaussure en 2017. Avant, c'était avec un talon aiguille. Maintenant, c'est un gros talon. Je préfère. Et en fait, je rêvais de ces chaussures. Donc, je suis allée les essayer chez Chanel. Et à l'époque, j'avais encore mon anus valgus. Et c'était juste un enfer. Rien que dans les 10 secondes qui ont suivi mon essayage, je souffrais. Alors que souvent, vous savez, quand on a un anus valgus, on souffre dans l'heure qui vient, mais pas forcément dans la seconde. Donc là, je me suis dit, c'est fichu, quoi. Je pourrais pas les avoir. Donc à la place, j'ai acheté mes ballerines, hein, justement, d'ailleurs, j'ai fait un blog. Et j'ai trouvé des chaussures similaires. Alors, ce ne sont pas de la contrefaçon, hein, il n'y a pas de marque Chanel. Voilà, ce n'est pas exactement les mêmes. Au bout, c'est du nubuck, alors que sur les Chanel, c'est un satin côtelé. Mais elles y ressemblent quand même beaucoup. Et c'est du plastique. Je les ai achetées 14 €, il me semble, sur AliExpress. Donc vraiment pas cher. Néanmoins, ça fait partie de mes chaussures les plus confortables. Je les porte tout le temps. Hier encore, j'étais en soirée et j'ai dansé toute la nuit avec. Elles sont aussi parfaites pour la pluie parce que, par exemple, quand j'ai des événements et que je dois sortir... quand il pleut dehors, je sais que mes belles chaussures, je vais les abîmer parce que j'ai des semelles en cuir et c'est pas bon pour les chaussures. Donc voilà, je mets mes chaussures en plastique et c'est très pratique d'avoir deux types de chaussures, d'avoir des très belles chaussures et d'avoir aussi des chaussures moins belles. Moi je sais que les belles chaussures, ça me procure un effet de bonheur. Quand je marche dehors avec des belles chaussures, ça me rend heureuse. Voilà, mais ça peut paraître bête, mais voilà, c'est moi ça. Ça me rend heureuse. Je sais pas comment vraiment ça s'appelle. Moi j'appelle ça les slingbacks. Ce serait peut-être proche des escarpins en type de chaussures, je ne sais pas. En tout cas, je les aime beaucoup. Je les porte avec un pantalon, une robe, une jupe, quasiment tout. Et en plus c'est très joli parce qu'elles sont à la couleur de ma peau. Donc ça allonge la silhouette. Et le bout noir hein, qui est là pour deux raisons. Il est premièrement là pour éviter que le bout s'abîme et il est aussi là pour faire un effet de plus petit pied. Donc ça peut être aussi une bonne solution si vous avez des grands pieds et que vous êtes complexé par ça. Bon, moi je fais de 37 mais c'est vrai que ça fait des tout petits pieds. Ah,
J'ai beaucoup parlé. Voilà, donc j'en ai fini, je vous ai montré toutes les chaussures que vous pouvez porter en automne. Alors là, avec tout ça, vous pouvez porter toutes les tenues que vous voulez, hein, c'est très pratique. Peut-être que vous avez déjà tout ça dans votre garde-robe, peut-être que vous en avez déjà une bonne partie. En tout cas, j'espère avoir pu vous inspirer un petit peu, vous orienter vers quelle paire de chaussures acheter, ce dont vous avez besoin. J'espère ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié un type de chaussure, dites-moi en commentaire à quoi vous pensez. Je n'ai pas mis les escarpins parce que je trouve que les escarpins, c'est finalement assez dur à porter. Ce sont des talons très fins, alors certes, c'est un classique, mais ce n'est pas pratique dans la vie de tous les jours. Bon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Et je vous souhaite une très bonne journée.